Bienvenue aux parents des classes de CM1 à la BCD, à la Bibliothèque Centre Documentaire. Voici trois petites informations pour cette rentrée scolaire 2023. Quels projets suivrons-nous? Comment les séances sont-elles organisées? Et comment accéder au catalogue et au blog de la BCD? Toute l'école est engagée cette année dans deux projets phares, d'une part la plantation d'une seconde forêt et d'autre part les Jeux Olympiques. Donc nous articulerons ces projets autour des deux grands objectifs de la classe de CM1, d'une part l'incitation à la lecture et d'autre part la formation à la recherche documentaire. Aussi, le quart d'heure lecture revêt toute son importance. Il sera mené systématiquement à la BCD et accompagné de discussions autour des lectures. Côté recherche, l'initiation se fera souvent en reprenant les méthodes du sketchnoting. L'organisation des séances est différente suivant les classes. En CM1A, ils viennent en demi-groupe une fois tous les 15 jours et en CM1B, c'est variable, soit en classe entière avec leur professeur, soit en demi-groupe, tout dépend du projet mené. Chaque élève peut emprunter deux livres à la fois. Il peut venir choisir un livre et le rendre tous les matins entre 8h30 et 8h55 et également entre 16h et 16h15. Les élèves de CM1 comme de CM2 peuvent aussi se rendre à la BCD à la pause méridienne entre 13h30 et 14h15. Enfin, à partir du site de l'école, vous pouvez accéder au blog et au catalogue de la BCD. Cliquez sur BCD CDI. Deuxième clic sur blog et catalogue de la BCD. Vous accédez d'abord au catalogue en ligne, vous pouvez le consulter quand vous voulez à partir d'un simple mot-clé. Et si vous descendez, vous accédez au blog. Ce blog reprend toutes les activités menées durant les séances et parfois quelques travaux d'élèves. Enfin, pour terminer, n'hésitez pas à prendre des livres d'occasion qui sont mis à votre disposition dans les deux paniers en osier. Vous pouvez aussi en déposer si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse email. Je m'appelle Dominique Montagnon et je suis la documentaliste de la BCD et du CDI. Bonne lecture !